La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau ce matin pour rendre un culte à notre Dieu, pour vivre ensemble un temps de louange, d'adoration, de prière, d'écoute de la parole de Dieu. Notre Dieu est grand, comme le disait ce cantique, Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est plein d'amour, plein de bonté, et il se révèle à nous comme un Père aimant, comme un Fils venu nous sauver aussi, et comme un Esprit qui est sans cesse avec nous. Et c'est à lui que nous devons offrir notre amour, notre vie, notre obéissance, au jour où nous serons éternellement avec lui. Certes, nos cultes habituels nous manquent, on le voit avec toute la technique que nous avons, les choses ne sont pas toujours au point, il est toujours un petit peu compliqué de mettre ces cultes en vidéo et de pouvoir aussi les mettre en ligne. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous nous retrouverons bientôt. Avec le conseil de l'Église, nous avons décidé de reprendre nos cultes en présentiel le dimanche 28 juin, Dieu voulant. Jusque-là, nous continuerons nos cultes en direct avec cette application. Nous les mettrons ensuite en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui seraient absents du direct ou pour ceux qui souhaiteraient revoir et entendre le culte. Les enfants aussi ont leur école du dimanche, chaque dimanche. Merci à Marianne et à Gassia et à l'équipe pour leur engagement pour faire en sorte que tous les dimanches, nos enfants aussi
puisse avoir un contact avec Dieu et parfois aussi ensemble. Donc nous allons avoir ce temps de culte maintenant, comme dimanche dernier. Nous aurons un temps de louange, un temps de prière, un temps de message aussi en français. Ensuite, nous aurons un temps de communion fraternelle où chacun, nous pourrons mettre nos caméras et nous voir, nous saluer. Jusque-là, il est bon de couper en tout cas les micros pour ne pas qu'il y ait d'interférences. Et puis, suite à ce temps de communion fraternelle, nous poursuivrons par un message en arménien pour les arménophones. Voilà, vous pourrez soit rester en ligne, soit vous débrancher à ce moment-là, c'est comme vous voulez. Alors, je vous invite de poursuivre ce culte par un chant d'adoration et de consécration. Adorons ce Dieu qui est notre Père en Jésus-Christ. Réjouissons-nous ce matin de ce que nous avons un Père extraordinaire, un Père qui est merveilleusement bon, un Père plein d'amour, plein de tendresse. Écoutez à nouveau un cantique pour louer le Seigneur, notre bon berger. Oh,
chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras, et dans son temple, je reviendrai, Yahweh, Yahweh, tu fais sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh. En ce jour des fêtes des mères, nous voulons remercier Dieu pour toutes les mamans, pour tout ce que Dieu nous a donné à travers elles. C'est par elles que Dieu nous a donné la vie, qu'il nous a fait naître dans ce monde. Nous remercions Dieu pour leur amour, leur patience. Nous les remercions d'avoir pris soin de nous avec tant d'attention, d'affection. Et nous les remercions de nous avoir éduqués, conseillés, accompagnés dans nos premiers pas. Enfin, que nos remerciements à nos mamans ne se contentent pas de quelques mots, mais de quelques fleurs non plus, mais d'une profonde reconnaissance et d'un profond respect et de beaucoup de joie. Nous disons donc aujourd'hui bonne fête à toutes les mamans et je vous invite à prier maintenant ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Et nous voulons en particulier en ce jour te remercier pour toutes les mamans que tu nous as données et que tu nous donnes. Et te demander de les bénir richement. Nous te prions également de bénir ce temps de culte, de bénir toutes les églises. Nous prions également pour toutes celles et tous ceux qui passent par des moments difficiles, que nous voulons aussi te remettre nos malades, te remettre ce monde, te remettre aussi tous nos bien-aimés, te prier de bénir chacun et d'ouvrir aussi nos cœurs à ta présence et à ta parole ce matin, et que cette parole puisse venir nous rejoindre dans ce que nous vivons, dans ce que nous attendons de toi. Nous te demandons cela en ton nom. Amen. Je vous invite à poursuivre notre culte par quelques lectures et nous ferons une première lecture ce matin dans le livre de l'Exode au chapitre 34, les versets 4 à 9. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre.
L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Et nous lirons également un second texte dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et nous lirons un dernier texte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Seigneur Dieu, miséricordieux et bienveillant, je ne peux plus respirer. Et si ce dernier cri de George Floyd, repris par des milliers de manifestants à travers la planète, traduisait le mal-être d'une humanité en crise. Humanité à qui on impose un rythme de vie effréné au nom de la croissance. Et si la croissance était une erreur, un système inhumain, à l'image de la tour de Babel que Dieu a stoppée. Il semble qu'aujourd'hui, les crises se succèdent les unes aux autres, avec certes toujours cet effet de caisse de résonance que sont les médias et les réseaux sociaux. Mais comment interpréter ces mouvements de révolte, celles qui ont précédé la crise sanitaire et celles qui surgissent actuellement aux USA et ailleurs suite à la mort inadmissible de George Floyd? D'où viennent ces crises? Cette violence qui surgit jusque dans les foyers. Le monde n'a-t-il pas besoin de paix, de stopper sa course et de retrouver un modèle de société peut-être plus humain? N'avons-nous pas besoin de nous tourner vers Dieu, connaître davantage ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin, en ce dimanche où nous fêtons la Trinité de Dieu, sans oublier bien sûr, comme nous l'avons évoqué, la fête des mères. Le Seigneur,
Dieu miséricordieux et bienveillant. Comment connaître Dieu, le définir? Comment parler de lui qui nous dépasse tant, de celui qu'on ne peut voir? La plupart des théophanies que nous trouvons dans le premier testament de la Bible sont impressionnantes. Dieu se révèle, il parle à travers le tonnerre, il descend dans une nuée, sous différentes formes, il se révèle aux hommes, mais il demeure mystérieux, indéfinissable, insaisissable. Finalement, tout ce que l'on peut savoir de lui, c'est ce qu'il dit de lui-même. Alors que Moïse est face à un immense défi, celui de conduire tout un peuple à travers le désert vers une terre promise, il fait cette demande au Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Il veut voir Dieu. Il veut mieux le connaître. Le peuple a déjà désobéi. Moïse, de colère, a cassé les tables de la loi. Et avant d'aller plus loin, il veut voir Dieu. Et le Seigneur de lui dire, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Alors Moïse taille de nouvelles tables de pierre et monte sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et voilà que Dieu se révèle à lui. Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui pardonne la faute, la révolte, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. C'est ainsi que Dieu se révèle à ce moment de l'histoire. Plus tard, il se révélera davantage comme un père. Et Jésus insistera sur cette belle image pour nous dire toute la bonté de notre Dieu. Il ira jusqu'à dire même, « Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Mais Dieu est aussi un Dieu juste face au mal qu'il dénonce et condamne. Mais il reviendra par deux fois sur ces paroles qu'il a tenues à Moïse. Une première fois, par la bouche du prophète Ézéchiel, il dira que désormais, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Puis le Seigneur reviendra une seconde fois sur ses propos et une dernière fois en Jésus. C'est sur lui qu'il fera porter la condamnation du péché. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pourra dire et pourra écrire aux chrétiens de Rome, « Ainsi donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu est plein d'amour, de tendresse, de patience. Et c'est de lui que nous devons être le reflet dans ce monde de violence, d'égoïsme, de racisme social, ethnique. L'Église doit crier, mais elle doit crier la paix, elle doit crier le respect, elle doit crier l'amour, elle doit crier la bienveillance de Dieu. En second lieu, Dieu a tant aimé le monde, dit Jésus, il a donné son Fils unique. Dieu a révélé son amour par le don de son Fils. Vous trompez toujours, vous êtes toujours le Fils aussi est Dieu. Certes, cela relève du mystère. Mystère que nul théologien à ce jour n'a pu éluder et qu'il nous faut croire. Pour nous parler, Dieu emploie un langage humain, accessible
à notre intelligence abîmée par le péché. Dieu le Fils est venu dans ce monde non pour le juger, mais pour le sauver. Il a sacrifié sa vie sur une croix pour cela. Il est ce bon berger qui prend soin de ses brebis, qui cherche celles qui sont égarées, qui patiente sans cesse. Il est aujourd'hui dans la gloire du Père. Il intercède pour nous. Il prend soin de nous. C'est lui qui nous invite à la conversion, à une nouvelle naissance. Il nous invite au baptême. Il nous invite à le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il nous invite à vivre une autre vie, une vie plus sereine, plus paisible, plus ouverte aux autres, remplie d'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà la vie à laquelle le Seigneur nous invite. Le Fils a supporté la pire des injustices, la pire des morts, sans rien dire, car il savait que sa mort allait provoquer la pire défaite du mal, la défaite de la mort. Il savait que sa mort allait libérer des milliards d'êtres humains pour qu'ils aient accès à l'éternité. Pour finir, l'apôtre Paul termine son épître aux Corinthiens en leur disant que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. L'Esprit Saint aussi est Dieu. Sa mission est de nous attirer vers Dieu, de nous faire comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui nous éclaire, qui parle à nos consciences, qui nous reprend avec amour lorsque l'on s'égare. C'est lui qui nous ramène toujours vers le Père par le Fils. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il inspire même nos prières, car lui seul connaît les choses de Dieu. Il vient demeurer en nous lorsque nous devenons croyants, lorsque nous croyons en Jésus. Nous vivons aujourd'hui ce temps de l'Esprit, cette troisième phase du plan d'amour de Dieu. Alors soyons toujours remplis de lui, remplis de cet amour qui vient de Dieu. C'est ce Dieu qui contrôle ce monde, qui regarde cette humanité aujourd'hui qui crie son besoin, une humanité qui crie son besoin d'amour, son besoin de bienveillance, son besoin de paix. Oui, le monde crie, il nous faut l'entendre. Il crie ses peurs, il crie ses inquiétudes, il crie à l'injustice. Il crie sans le savoir, sa soif de Dieu. Alors sommes-nous prêts à être de celles et de ceux qui, comme Pierre et Jean, quelques jours après la Pentecôte, se trouvant devant cet infirme mendiant à la porte du temple, sommes-nous prêts à dire aux hommes et aux autres, comme eux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Sommes-nous prêts à donner cet amour? Sommes-nous prêts à aimer, à pardonner, à relever, à encourager, à aider, à soutenir, à être sensibles à ce monde souffrant? Sommes-nous prêts à témoigner de ce Dieu dans nos foyers, nos églises et tous nos lieux sociaux? Certes, Dieu est et restera en partie un mystère pour nous. Mais croyons, croyons ce qu'il dit de lui-même. Il est un Père plein d'amour, ayant confiance en lui. En Jésus, il est un Dieu qui pardonne toutes nos fautes, qui nous donne accès à la vie éternelle. Jésus a dit, mes brebis, elles sont à moi,
et nul ne les ravira de ma main. Dieu est un Dieu qui vient habiter en nous par l'Esprit Saint pour être tous les jours avec nous. Alors, vivons, vivons dans sa grâce, vivons de sa grâce et prions pour que beaucoup encore se tournent vers lui et vivent cette riche bénédiction qui est sa présence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te remercier de ce que tu es, de qui tu es, comment ne pas te remercier, t'adorer, te louer. Parce que tu es ce Père sans cesse aimant, ce Père bienveillant, plein de tendresse, de patience, plein d'amour. Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui es venu nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, cette espérance au-delà de la mort. Comment ne pas te louer pour l'Esprit Saint, cette présence que tu as mise en nous, que tu as envoyée vers nous, qui est venue habiter nos cœurs. Comment ne pas te bénir pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais autour de nous, pour ce que tu fais pour nous, pour ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, pour ce dont nous sommes conscients et pour ce dont nous sommes inconscients. Nous te disons merci. Accorde-nous la grâce d'avoir cette cohérence de témoigner de toi dignement, de savoir aussi bien entre nous, autour de nous, que dans ce monde, être des hommes et des femmes qui reflètent cet amour, qui reflètent cette tendresse, qui reflètent ce souci de l'autre, du plus faible, qui reflètent aussi toute la paix que tu nous donnes, toute la sérénité que tu nous donnes, tout le soutien que tu nous accordes. Que nous puissions aussi le donner, le distribuer largement, abondamment, généreusement autour de nous.
Donne-nous d'être en cohérence avec toi, afin que le monde croie. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Notre culte va se terminer pour la partie française. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aussi à tous ceux qui travaillent pour la technique pour que cela puisse être possible. Nous continuerons, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de culte, encore nos cultes de cette façon, encore deux dimanches, puisque le Conseil a décidé que nous reprendrions, Dieu voulant, les cultes en présentiel le dimanche 28 juin, à la fin du mois. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires, suivant les protocoles et suivant les directives qui nous seront données d'ici là, en espérant certainement que d'ici là, les choses seront peut-être encore plus apaisées. Et nous pensons que nous pourrons donc nous voir et vivre ensemble des cultes de façon plus normale. Et avec le Conseil, nous avons décidé également que nous continuerons des retransmissions en vidéo pour toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas venir participer à nos cultes. Il semble que, en tout cas, cette crise sanitaire qui nous a pas mal perturbés dans notre vie d'église, qui a fait aussi pas mal de dégâts dans notre église aussi. Nous avons perdu aussi des êtres bien-aimés, que cette crise aussi nous ait appris beaucoup de choses et entre autres peut-être aussi de pouvoir davantage tenir compte de celles et de ceux qui ne peuvent pas et qui ne peuvent plus pour diverses raisons participer à un culte. Nous continuerons à retransmettre nos cultes à partir de la reprise des cultes. Continuons aussi à prier les uns pour les autres, à prier pour nos personnes malades, pour nos familles endeuillées, prions également pour toutes les familles qui sont éprouvées, et puis prions pour ce monde que nous voyons en plein mouvement de révolte, et prions pour que réellement ce monde se tourne vers Dieu et puisse réellement connaître ce Dieu qui nous a été révélé dans la parole, dans la Bible, et que ce Dieu puisse réellement remplir nos cœurs. Nous allons avoir maintenant un temps de communion fraternelle où chacun, vous pourrez ouvrir, mettre en marche vos micros, vos caméras, vous pourrez vous voir sur l'écran. Mais avant cela, nous allons prier ensemble la prière du Notre Père et puis nous poursuivrons par le culte, par un message en français. Prions ensemble. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit-Saint soient avec chacun d'entre nous. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Et une bonne fête à toutes les mamans. Voilà, vous pouvez maintenant mettre vos caméras et vos micros également.